Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 12 mars et je suis à San Diego. Je viens d'avoir la mauvaise nouvelle que notre école n'aura pas lieu en personne pour un mois. Donc, j'ai décidé que je vais commencer à faire une série de vidéos pour que les élèves de français peuvent écouter, lire et pratiquer leur français de la maison ou de n'importe quel lieu où ils sont. Alors, j'ai bien peur que nous ne pourrons pas sortir de la maison dans le futur qui vient pour un moment indéfini. Alors, je profite bien, maintenant que je le peux, de sortir et de profiter de la ville. Ce soir, je vais au cinéma. Je vais voir un film qui s'appelle ou bien The Hunted ou The Hunter. Et je vais vous faire une revue de cinéma après le film. À plus! Dès qu'on rentre au théâtre, on peut sentir l'odeur du pop-corn. C'est vraiment fort et ça sent les produits chimiques. Je suis sûre que ce n'est pas bon pour la santé. Et en plus, c'est super cher. Alors, c'est mieux toujours d'amener le petit cartable avec des bonbons. Alors, le film s'appelait La Chasse ou The Hunt en anglais. Il y avait pas mal de violence, alors je ne le recommanderais pas aux adolescents ou aux jeunes. Je ne le recommanderais pas exactement aux adultes non plus. Au début, je me suis dit que le film avait du potentiel. Peut-être c'était une histoire un peu comme Les Jeux de fin, une série que j'ai beaucoup appréciée. Mais même que l'histoire était un peu similaire, l'histoire n'avait pas vraiment de sens. C'était juste de la violence pour avoir de la violence. Et en fait, c'était un groupe de riches qui avait enlevé un groupe de gens qui trouvaient un peu plouc dans leur opinion. Ils faisaient à chaque année, ou peut-être seulement une fois, une chasse où ils essayaient de les tuer une à la fois. Ils étaient 12, comme je pense au jeu de fin, au Hunger Games, mais je ne suis pas sûre. Je me rappelle peut-être pas exactement. Et oui, alors... vous pouvez voir le film si vous voulez, mais j'ai trouvé que c'était... c'était un peu con, quoi. et ça parlait un petit peu... Il y avait des blagues sur le racisme, ce que je ne trouve jamais trop drôle. Et oui, des blagues un peu sur la politique, mais mal fait. Avez-vous vu un film intéressant récemment? Décrivez-le dans les commentaires, ou peut-être un film horrible. Ça revient au même, c'est drôle d'en parler. Dites-moi ce que vous en pensez.